Salut, salut. Bienvenue mes rêveurs. Vous avez des rêves et ça fait 20 ans que vous attendez que le gouvernement investisse en vous. Ça fait 20 ans que vous attendez que B. Vous avez déjà eu 4 B. 10 B. Personne n'a jamais investi en vous. Et vous comptez toujours que quelqu'un d'autre va venir laisser ses rêves parce que tu as les beaux yeux. Il va prendre ta part. Il va aller accomplir ta part. Je suis la mauvaise fée d'Alice au pays des merveilles. Je vous sors de votre rêve. Parce que vous êtes dans le rêve là depuis 40 ans. Je vais vous mettre dans la réalité. Je vais vous montrer comment faire que le rêve là se réalise. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser votre rêve. Je dirais même vos rêves. Donc, il y a une folle dans le quartier ici qui va parler depuis quelques heures. Donc, si vous entendez sa voix, saluez seulement. Donc, bonsoir et bienvenue. Je souhaite aussi la bienvenue à mes ennemis. Mes ennemis, bonjour. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Si vous êtes mon ennemi, ne likez pas, ne délikez pas, sinon je vais voir votre nom. Si vous êtes Decepticon, cachez-vous. Ne regardez même pas ma vidéo parce que ça va me donner les vues. OK? Voilà. Donc, asseyez-vous dans la file d'attente des haters. Écoutez, je veux. Mon objectif, c'est que vous puissiez atteindre vos rêves. Que vous puissiez atteindre vos objectifs. Parce que vous n'avez même pas d'objectif. Vous avez des rêves vagues, genre, ouais. Est-ce que vous savez comment je fais la différence entre quelqu'un qui est déjà en train de voir la manifestation de son rêve et quelqu'un qui est encore vraiment, vraiment dans le rêve? Celui qui est en train de voir la manifestation de son rêve, il connaît les détails. Il connaît les détails. Si j'étais président de la République, je prendrais telle personne, je mettrais là-bas. Je partagerais ceci aux enfants. Je créerais tel argent. Je fermerais les portes de telle chose. J'aiderais les orphelins de telle façon. Quelqu'un qui connaît là où il part, il a une stratégie précise. Et même si sa stratégie ne s'accomplit pas, hein, c'est clair dans sa tête. Il peut ajuster le plan pendant qu'il avance. You know, adjust as you go. Mais il a un plan dans sa tête. Parce que tant que tu n'es pas préparé, quand l'opportunité va venir, tu ne vas pas reconnaître. Tu dois avoir un plan, tu dois avoir une destination là où tu pars. Si en route on te propose mieux, tu laisses là où tu partais, tu pars maintenant là-bas. Mais tu partais d'abord quelque part. Là, tu sors 111 là. Non. J'ai parlé avec un ami tout récemment qui me disait, il est trop orgueilleux. C'est l'ami qui me disait. Il me disait, je suis trop orgueilleux. Moi, je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. J'ai d'abord fait. J'ai dit dans mon cœur, oh, tu es bête. Juste au cas où il écoute cette vidéo. Voilà ce qu'il me disait dans mon cœur, sans offense. Il ne t'a pas dit à toi-même, c'est parce que tu es dans ma vidéo que tu vois. C'est quelqu'un que j'ai essayé n'importe comment. Je lui ai dit, papa, écoute bien. Quand tu commences à lui demander que qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ouais, si tu as 5 millions, je peux. Il dit que ouais. Moi-même, mon business que j'ai construit, que tu vois aujourd'hui là. Personne ne m'a pris 2 millions, il m'a donné. Partagez ma vidéo, je vous en prie. Personne n'a porté 10 millions. Waouh, Jocelyne, je crois en toi. Waouh. Tu es le futur de l'Afrique. Oh, Jocelyne. Allez, donnez-lui 50 millions là-bas. Si c'est ça que vous attendez, vous allez faire comme Jésus a dit qu'il est arrivé là.
ou vous êtes seulement un bateau, ou vous êtes seulement sur un nuage. Je vais vous descendre de ce nuage et je vous montre aussi. Arrêtez d'attendre le prince charmant. Arrêtez d'attendre le business angel. Un jour, quelqu'un va croire en moi. Qui? Tu es en Europe là-bas, non? Assois-toi, tu ne cherches pas les papiers. Je vais voir comment les papiers vont être trouvés. Assois-toi, oh, je viens d'arriver en France. Je n'ai pas... Ni, 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 ni. Reste là-bas, tu attends. Tu as compris? La personnification de la bêtise. La personnification de la bêtise. Je suis votre grande soeur, écoutez-moi bien. Quand vous étiez petit, on n'a pas mis la sagesse dans votre cœur, ni dans votre sang, ni dans votre corps. Vous ne savez même pas ce que c'est que la sagesse. Je vais vous injecter ça dans le sang. Ça va couler dans vos veines. Et je ne cherche pas beaucoup de personnes, s'il vous plaît. Tu dois arriver à un niveau où tu comprends d'abord. Ce n'est pas mon mari qui va porter l'argent pour me donner. Le truc, c'est que cette affaire est tellement subtile. Quand tu es prêt, tu attires l'argent là. Quand tu n'es pas prêt, même si on te donne, tu vas mal gérer, ça va disparaître. Même si tu voles, tu vas mal gérer. Ça va tout finir. Partagez ma vidéo et mettez-moi les pouces, s'il vous plaît. Donc maintenant que tu connais et que tu as compris que personne ne va investir sur toi, qu'est-ce que tu dois faire? Peu importe le pays où tu te trouves, peu importe dans le pays où l'on mange, mais si tu as la besoin qu'on te donne les cœurs, prends toi-même les cœurs, je t'envoie les cœurs pleins de lumière, pleins d'amour. Je sais que j'ai les Decepticons ici. Là, vous allez venir avec vos gros yeux comme ça. Vous allez me regarder. Si ce que vous dites ne vous plaît pas, quittez dans mon direct. Vous allez me regarder. Vous n'avez pas partagé ma vidéo. Vous venez boire mes informations chaque jour. C'est pour ça qu'on ne fait rien avec ce que vous dites. Je vous dis cash. Vous êtes chiche. Vous êtes méchant. Il ne faut pas qu'elle voie sa page, ça avance. Écoutez, hein, ce que je dis est pertinent. Ça va toujours avancer. Avec tes likes ou sans tes likes, ça va avancer. Parce que je vous connais. Je connais très bien les Africains. Je connais très bien les Africains. Si vous pouviez regarder comment on fait sur WhatsApp, quand on regarde tes statuts sans que tu ne saches que la personne a vu là. Si vous pouviez faire ça, c'est que vous le faisiez. Chiche. Maman. Allons, continuons. Peu importe le pays où vous vous trouvez. Dans le pays là, on mange. Vanessa, à toi, je ne réponds pas. Tu as compris? Je suis en train d'enseigner. Si tu fais un commentaire, ça n'a pas de rapport avec ce que je suis en train de dire. Tu laisses. J'ai dit partager ma vidéo. Tu n'as pas partagé. N'est-ce pas, Vanessa? Tu as partagé. Tu as liké ma vidéo. Non, non. Attends, continue-moi mes choses. Parce que, voilà. C'est pour ça que vous allez... Il y en a qui me disent, je te suis depuis 2 ans. Tu as fait quoi avec ce que j'enseigne? Rien. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas fait que quelqu'un d'autre avance. Hey, Seigneur, continuons l'enseignement. J'ai dit, quel que soit le pays où vous êtes, éternel des âmes, que toute personne qui m'écoute, qui écoute l'enseignement, s'il y avait le mauvais cœur, que ça ne l'aide pas. Je vous dis. Je suis en train de chasser les Decepticons sur ma page. Voilà. Que ma colère se calme maintenant. On vous dit partagez, je dirais, vous ne partagez pas. Vous allez venir vous asseoir, profiter tout seul. Les informations qu'elle vous donne, j'aurais pu garder ça pour moi-même. J'aurais pu garder. Je reste censé garder, ça me rend riche. Je continue dans ma richesse.
importe le pays où vous vous trouvez. Si tu viens d'arriver en France, tu n'as pas les papiers. Tu viens d'arriver à Dubaï, tu n'as pas les papiers. Tu viens d'arriver au Maroc, tu n'as pas les papiers. Tu viens d'arriver, peu importe là où tu es. La première chose que tu dois comprendre, et je suis sûr que tu as sûrement des rêves. Ouais, je sais que je serai une bonne dessinatrice. Je sais que je chante bien. Je sais que je... Moi, j'ai toujours aimé la coiffure. Si ce n'est pas la coiffure, ce n'est rien d'autre. Si ce n'est pas... Écoutez, hein, oubliez ce que vous aimez. Écoutez-moi bien. Pour réussir, oublie ce que tu aimes. Qu'est-ce que j'ai dit? Commentez, cela vous me dites que j'oublie ce que j'aime. Commentez. Voilà, Émilie Foucault, c'est bien. Même si j'ai un élève comme toi dans la classe, c'est bon. Tu oublies ce que toi tu aimes. Parce que tu sais quoi? On s'en fout de ce que tu aimes. On s'en fout de ce que tu aimes. Oh, moi j'aime les fleurs, j'aime le ciel, j'aime... Oh, oh. Ta boutique est vide. On part tout chez l'autre personne. C'est ça le problème des Noirs aujourd'hui. C'est ça le problème des Noirs aujourd'hui. Ah, tu sais, moi j'ai fait infographie. Moi j'ai fait ingénierie. Tu es là dans ton quartier, il n'y a pas de boutique. Il n'y a pas de restaurant. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Tu ne peux pas aider, tu ne peux pas aller créer un de ces trucs. Non, 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 non. Si moi, je ne trouve pas quelque chose dans l'infographie, je ne fais rien. Moi, au pays, j'ai étudié géographie, de la cartographie, de la généalogie, de la scientificologie. Si moi, je ne trouve pas un boulot dans ça, moi, je ne fais rien. Tu vas passer 10 ans dans le pays où tu es. Bien. Arrêtez d'être bête. Arrêtez. Une fois que tu as oublié, c'est-à-dire que tu es mort à toi-même. Toi-même d'abord, tu es mort. Toi-même, tu es mort. Like, you don't die. You don't die. You don't die. Si vous m'écoutez, vous mettez ce que j'ai en pratique. Je connais les gens qui sont... Ouais, quelqu'un responsable me dit, m'envoie son message, il dit que maman, je te suis depuis février, j'ai acheté le terrain. On est en mai. J'ai déjà acheté le terrain. C'est en mars, fin avril que la femme se m'a dit ça. Elle a commencé à payer sa dîme le 17 février. Mars, avril. Le 27 avril, elle me dit, j'ai déjà acheté mon terrain. Je sais que mes conseils marchent. My conseil est de waka. I don't know that one. My conseil est de waka. You don't hear me? Une fois que tu as oublié ce que tu aimes, tu dois passer une semaine autour de toi. Regarde les produits que toi-même tu consommes. Tu notes sur un papier. Qu'est-ce que j'ai dit? Classifie-les peut-être. Produits de moins de 10 000. Produits de... Parce qu'on se, pour se faire de l'argent, tu peux te faire... Tu vends plusieurs petits articles. Pas de dentifrice, brosse à dents. Des petits trucs, beaucoup. Allumettes. Ou encore, de l'autre côté de la chose, tu vends les articles nécessaires, rares. Pour ça, il faut monter quand même dans les échelons avant d'avoir un certain financement pour ça. Pas financement, mais budget ou bien fonds de commerce. Tu cherches donc autour de toi. Et puis, il y a d'autres choses maintenant que c'est toi-même qui fabriques. Même si tu viens d'arriver dans le pays là,
Il n'y a aucune recette de nourriture dans aucun pays de ce monde que tu ne peux pas trouver sur YouTube. Supposons que tu viens d'arriver à Dubaï. Tu as Habibi a fait, tu es parti. Habibi, tu es parti. Marche dans la rue, tu vois ce que les gens de Dubaï achètent trop. Regardez les produits que les gens la consomment. Étudiez le marché. Oh. Soit tu vas voir, c'est quelque chose que tu consommes. Eux-mêmes, ils consomment aussi beaucoup sur dans ton pays. Ça peut aussi être quelque chose qu'on ne trouve pas beaucoup. Tu restes comme ça, tu dis, ouais, tu viens d'arriver ici là. Maman, pourquoi il n'y a pas de voiture de location? Pourquoi il n'y a pas de Airbnb? Ah, pourquoi il n'y a pas? Tu dis, ah. Ton besoin là, comme toi, dans la ville là, il y a au moins, je ne sais pas combien d'habitants vous avez, au moins 20% de la population de la ville où tu es a le besoin que tu as. Et dans le business, il y a les besoins que quand tu les combles, tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent. Tu es juste intermédiaire. Supposons que tu ne prépares pas pour vendre. Tu dois peut-être aller acheter pour revendre. Tu vois que beaucoup de personnes cherchent. Tu peux avoir dans 3, 4 magasins, ça coûte 10 000. Tu connais là où on vend à 3 500. Tu es couché à la maison, tu dors. Tu es bête. Il y a beaucoup d'entre vous qui veulent vous voir. Quand vous me racontez vos histoires, j'ai envie de vous gifler. Tu connais qu'au Cameroun, il y a les mamites qu'on vend à 5 000. Tu sais que la mamite au Gabon coûte 25 000. Tu as un contact au Cameroun qui peut acheter, il poste pour toi. Tu es ici au Gabon, tu galères, tu n'as pas l'argent. Tu es giflable. Tu es giflable. Hey, je vais faire l'application qui fait qu'on gifle les gens au téléphone. Je vous dis. Je n'ai pas l'argent. Je dois trouver l'argent du kit. Il me faut acheter le kit, mais je n'ai pas l'argent. Tu prends 3 mois pour cotiser l'argent d'un kit? 3 mois? Pour 50 000? Parce que quand vous parlez, vous dormez, vous êtes à la maison, vous dormez. Tu regardes la télé, tu es sur TikTok. Ouvre ton porte-monnaie. Si tu n'as rien gagné aujourd'hui, tu sais qui tu dois accuser? Toi. C'est toi. Non, c'est l'esprit. Je vais bouger avec l'esprit. C'est le move de l'esprit. Ah, quittez avec vos bêtises là. Tu es spirituel pour qui? Spirituel et pauvre. Tu vas prier pour les gens pour que. Après, quand tu pries, tu guettes comme ça là. Est-ce qu'il va me donner l'argent? Ah. Il vient, il te donne 2000. Il part le même soir au restaurant, il mange 25 000. Tu vois ses statuts, ça te fait mal. Non, non, ma chérie. Ma chérie, si tu avais le restaurant, il viendrait prier, il donnerait 2 000. Après, tu vas aller, il va tourner comme ça, aller dans l'autre coin, dans ton propre restaurant encore, dépenser 25 000. Tu as pris 27 000 à la personne le jour-là. C'est le service qui fait qu'on te donne l'argent. Vous aimez que les gars vous donnent l'argent, non? Vous aimez que les hommes vous donnent l'argent, non? Quel est le service que tu offres aux gens? Tu vends le foléré? Tu vends le caramel? Tu vends quoi? Maf. Détecte tout. Note. Dans ces choses que tu vas détecter, il y aura d'autres qu'il faut fonds de commerce 5 millions. Il y a d'autres que tu vas aller acheter pour aller revendre. Pour acheter et revendre, tu peux commencer par acheter 2 articles. Et tu peux même aller d'abord, tu tapes même d'abord 2 ou 3 amis. Que, oui, donc, je vais acheter pour toi. Je peux acheter, je te livre une fois à la maison. Hein. Parce que vous avez certaines personnes qui n'ont pas le temps. Même moi, j'achète beaucoup de mes choses. J'ai beaucoup de services que je paye. Ménagère ou même cuisinière ou shopping ou tout ça là, venez prenez l'argent que t'es fait. Tu viens, tu prends 15 000 chez quelqu'un, tu pars, tu achètes à 7 500, transport 1000 francs. Là comme ça, tu as passé une heure de temps aller et retour, tu t'es fait combien? Tu as fait combien? Supposons même seulement au pire des cas, tu t'es fait 5 000, non? 5 000 dans la poche. Tu
Tu as acheté au salaire deux personnes. Ça fait 10 000 pour la journée, non? Ne mange pas les 10 000 là. Ouais, Seigneur, pourquoi il vous parle, vous n'écoutez pas? Pas les 10 000 là, demain, pas encore acheter un à 7 500. Tu prends le temps de chercher le client. Et si tu as encore même 5 000 à côté, tu achètes deux. Tu marches maintenant, tu tacles les clients. Vous connaissez les bureaux, non? Il y a les femmes dans les bureaux qui n'ont pas le temps d'aller voir les ustensiles de cuisine. Toi-même, tu connais les choses qui t'aident dans la cuisine. Achète ça. Tu achètes à 500 000 francs, 5 000. Pas dans les China Mall là. Tu achètes tout ça là. Tu te balades dans les bureaux, tu montes ça aux femmes. Tu achètes même à 1 000 francs, tu peux vendre à 5 000. C'est le service que tu rends. Parce que là, explique bien à la dame que madame, vous pouvez acheter chez moi. Ou bien vous pouvez rentrer. Voilà, vous êtes au bureau, non? Vous allez finir à 17h. Allez dans les embouteillages pendant 30 minutes, 35 minutes. Vous arrêtez à Carrefour Market. Achetez. Restez encore les embouteillages une heure pour arriver chez vous. Est-ce que vous pouvez quantifier votre temps là? Alors que moi, je vous vends ça ici, cash, 5 000. Vous économisez le temps, l'énergie. Parce que votre temps est précieux. Quand vous finissez, il faut rentrer préparer pour que monsieur mange. Apprenez à vendre vos produits. Elle dit, tu as raison même ma fille. Tu as raison. Vraiment. Prends ton argent. Après, donne-moi encore 500 au-dessus. J'aime ta façon de parler. C'est bien. C'est bien. Tu prends son numéro. WhatsApp. Tu centres seulement les photos tout le temps. Tu centres les photos. Bonjour la mère. Voilà, j'ai trouvé un nouvel article. Ça peut t'intéresser. Je sais que tu as beaucoup d'enfants. Voilà, voilà, voilà. Piscine gonflable pour les vacances. Tu achètes la piscine à 25 000. Tu lui vends ça à 75 000. Elle discute un peu là. Comme pian, pian. Elle achète à 60 000. Tout l'argent là, tu ne manges. Tu ne manges, écrivez que tu ne manges pas. Parce qu'il vous connaît. Dès que tu as un petit bénéfice de 50 000 comme ça, ça va, tu vas aller le soir pour aller partager aux filles. Tu cotises l'argent, tu apprends à conduire la moto même. Tu achètes la moto 350 000, 400 000. Maintenant, tu es véhiculé. Tu pars en bobby, tu achètes le temps que tu prenais dans le transport. Tu faisais deux heures de temps pour quitter d'un coin à l'autre. Maintenant, tu fais ça en 30 minutes. Livraison. Madame, si vous achetez livraison, 1000 francs, 1500. Ouais, Seigneur. Il y a maintenant l'autre aspect où tu vas fabriquer les choses. Tu regardes la nourriture peut-être dans la ville où tu es. Que ce soit Paris, que ce soit New York, peu importe. Tout le monde mange dans la ville là. Voilà, c'est bien ça. Eve Marcel, tu écoutes bien. Tu ne manges pas. Ariane, tu ne manges pas. Voilà la lumière du monde. Tu ne manges pas. Mes bons élèves. Tu cherches ce qui passe dans la ville. Tu guettes. C'est pour ça que quand vous arrivez dans les villes, vous trouvez les Libanais, ils sont faits. Les Chinois, Libanais, Pakistanais, Indiens. Ils vendent même les choses aux Africains maintenant. On te vend le dollar. Gars, moi, je vais acheter les encens, je vais vous vendre, vous les achetez aussi le produit, vous le vendez, non? Tu guettes. Tu demandes à une mère qui est du village là que montre-moi comment on prépare la nourriture ici. Quand elle fait, tu enregistres la vidéo. Tu rentres. Soyez intelligent. Je suis sûr qu'il y a les Chinois qui préparent même le couscous au combo. Et ils vous vendent ça. Quelqu'un, j'ai un ami au Canada, Théo Ouet. Bonsoir Théo, si tu regardes ceci. Bonsoir de Kanko depuis le Congo. Théo me dit que il me montre une nourriture, un riz sauté comme ça là, avec le bon poulet rôti qu'il est parti acheter. Il dit qu'il a acheté ça chez les Indiens. Hein. Et on a fait ça comme les Africains, avec le piment des Africains. Il me dit que ce sont les Indiens qui ont fait. Les Pakistanais là. Ils arrivent là-bas, la nourriture mexicaine, ils apprennent. Africaine, ils apprennent. Tout, ils apprennent. Pam, pim, pian, venez, ils vous vendent ça. Tu crois qu'il y a la magie sur eux? Ils sont en fer. Ils sont en fer. Demande à une mère du quartier, tu apprends.
Tu t'entraînes, tu prépares, tu t'entraînes, tu prépares, tu t'entraînes, tu prépares. Jusqu'à ça donne. Même sur le parapluie que tu mets pour commencer, tu commences à vendre. Et quand tu fais ton business, tu dois être dynamique. Venez goûter, venez, venez. Come on, come on, come on. Come on. Come and test our food. You know, Ndole is nice. Oh. Ndole is nice. It's a bit bitter. It's a bit, you know. Écoute, ils ne font pas les millions sur vos produits. C'est vous qui êtes bêtes. Quand tu prends la responsabilité de ton échec, tu avances. Les Libanais ne vous envahissent pas. Les Chinois ne vous envahissent pas. Vous êtes bêtes. Ok? Vous êtes bêtes. Yes. Oui. Acceptez les choses. Oh, quand on parle là-bas, la douane est chère. Asseyez-vous, vous fabriquez même dans le pays. Fabriquez les choses dans votre pays. Et quand tu fais ta chose, il faut être dynamique. Les gens aiment la bonne énergie. Quand j'arrive fait la vache, mince, je vais quand même goûter ces beignets ici. Je vais quand même goûter. Tu fais le stand qui vend les beignets. Tu, avec ton petit réchaud là, on fait frit là. Pium, pium. On peut mettre le sucre sur ça. On met le chocolat si tu veux. Bonjour la reine Julienne. Dites-moi de quel pays vous m'écoutez, s'il vous plaît. De quelle ville et de quel pays. Parce que je commence à maintenant à être partout maintenant. On dit comme ça. Dites-moi de quel pays vous m'écoutez. Je suis venu au Gabon parce que les Gabonais, il y avait plus de Gabonais qui m'écoutaient. Je suis allé à Abidjan. Tu es dynamique, créatif, la bonne humeur. Ah d'accord, vous n'êtes pas satisfait. Non, ne vous inquiétez pas, je vais remplacer. Non, non, ne vous inquiétez pas. Tous tes amis avec lesquels tu es au boulot là, qui rentrent, ils souffrent pour manger. Fais les heures extra. Achète la nourriture. Prépare. Commence à faire les gamelles. Tu leur vends ça. Tu leur vends ça. Denise, je n'aime pas ta façon de parler. Je n'en veux pas à un Chinois, je n'en veux pas à un Libanais. Au contraire, je les admire. Je vous dis cash. Je vous dis cash, hoha. Je suis allé chercher un... Je ne sais pas si c'est un Libanais, je ne sais pas. Je suis allé acheter certaines choses chez eux aujourd'hui. Des produits de maison. Voilà aussi l'autre étape que j'allais vous dire. Apprenez la langue du pays où vous êtes. Votre problème, c'est que quand vous arrivez quelque part, YouTube peut vous apprendre n'importe quelle langue, n'importe quelle nourriture. Emma Ibo a des likes YouTube. Il me reçoit d'abord. Il est proactif. Non, madame, viens, viens. Je vais te faire le prix, madame. Viens, 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 viens. Il prend sa calculatrice. Regarde, ça ne te va pas. Non, ça ne te dérange pas. Non, 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 ça va. Ok, tu veux encore quoi? Il marche dans le magasin avec moi. Il marche dans le magasin avec moi. Mouf, l'Africain. C'est là-bas, là-bas, là-bas. Oui, tournez à gauche là-bas. Oui. Oui, vous avez vu? Oh, madame, madame! Ha, ha, ha. Ouais. Tu as la porte, tu es là-bas aussi. Madame, vous avez fini? Observez-les. Ne les critiquez pas. Parce que les règles de la réussite marchent dans n'importe quel continent. C'est pour ça que si un Chinois quitte la Chine, il part en France. Il va appliquer ça, ça va marcher. Il peut au Cameroun, ça va marcher. La nature n'est pas injuste. Dieu, c'est le gars le plus juste que je connaisse. Oh.